Ivreitout qui devrait partir vite, hein, sur ce qu'elle a montré tout à l'heure pendant les canters. Elle était beaucoup plus vite en jambes que One Love Bianca. Voilà, elle nous fait pas mentir. Le 2 qui part très vite avec le numéro 6 à l'extérieur. Rossar Ivreitout qui va essayer de se rabattre. En troisième position, il y a Obama, le numéro 1. On est parti un peu plus lentement avec One Love Bianca qui vient en quatrième position. Cinquième position ensuite pour le numéro 7, Otello Worthy. Pour l'instant, c'est le 4, Ostend Danlou qui ferme la marche. Trois juments se sont détachés dans ce premier virage en tête. Le numéro 6 qui se rabat finalement, c'est Rossar Ivreitout devant le numéro 2, Nivreitout. Ensuite, on retrouve encore une Ivreitout avec le Obama plutôt en troisième position. One Love de Bianca qui fait la jonction avec ceci, accompagné à l'extérieur par le numéro 7, Otello Worthy. Otello Worthy qui accélère, qui va sans doute essayer de se rabattre dans quelques instants. Attention, ce sont des 3 ans, pas trop brûlés de cartouches tout de même. Avec le numéro 6, Rossar Ivreitout qui a l'avantage, qui semble vouloir résister à Otello Worthy. Il y a sa barre dans cette épreuve. J'ai l'impression que Manix de Groot ne veut pas laisser passer. Hein. C'est très clair. Et là, Anna qui se retrouve piégée. Elle n'a pas d'autre choix que de donner une deuxième accélération. Parce qu'on ne l'a pas laissé passer avec Connie Worthy qui a bien calé au dos d'Rossar Ivreitout. Et de ce fait, eh bien, ça bataille un peu en tête. Effectivement, petite bagarre en tête de course avec Rossar Ivreitout qui ne résiste pas pour finir à Otello Worthy qui va prendre le commandement dans quelques instants pour sortir de ce deuxième virage. Oné Vreitod en troisième position, tout avec les relais. One Love de Bianca se retrouve un petit peu piégé à deux nez au vent. Obama vient sur un quatrième rang côté corde. Et on ferme toujours la marche avec les mêmes, le numéro 3, Opal B, suivi par Ostend Danlou. On va passer dans les tribunes sous la conduite d'Otello Worthy qui a l'avantage. Il a sollicité un relais. C'est le 6, Rossar Ivreitout qui va revenir prendre la tête. En troisième position, Oné Vreitod. À l'extérieur, One Love Bianca qui est né au vent désormais, qui emmène Opal B, le numéro 3, qui a quitté la corde. L'As Obama reste côté corde et c'est toujours Ostend Danlou qui ferme la marche. Pas beaucoup de changements dans cet avant-dernier virage. On reprend quelque peu l'allure sur l'impulsion de Rossar Ivreitout tout en allant régulier. En deuxième position, numéro 7, Otello Worthy. On se rapproche gentiment avec le numéro 5, One Love de Bianca. Côté corde, toujours la casaque jaune. Numéro 2, Oné Vreitod en 4e position. 5e place pour l'As côté corde Obama, accompagné à présent par le numéro 3, Opal B. Rossar Ivreitout qui a toujours nettement l'avantage. Deux sulky d'avance sur le 7 Otello Worthy. À l'extérieur, One Love Bianca qui se rapproche, mais pas si vite que prévu, semble-t-il. Ensuite, nous avons toujours derrière Opal B, Oné Vreitout qui a fait mouvement dans le sillage maintenant de ce numéro 5, One Love Bianca. Et on rentre dans le tournant final avec toujours Rossar Ivreitout qui a l'avantage. Rossar Ivreitout qui a toujours subi en tête de course, effectivement. Elle menait attachée d'une longueur devant le numéro 7 Otello Worthy. À son extérieur, le numéro 5 One Love Bianca qui sont en fin d'accélération. Oné Vreitout qui s'annonce dans cette dernière avec beaucoup de ressources, qui va venir fondre sur Rossar Ivreitout qui est toujours en tête mais qui est sollicité. Oui, toujours Rossar Ivreitout qui a l'avantage. À l'extérieur, Oné Vreitout qui va faire comme dans le géniteur. Elle finit vite, Oné Vreitout. Oné Vreitout qui vient très vite, mais le numéro 6, Rossar Ivreitout lui résiste. Un jumelé de Vreitout, semble-t-il. Le 6, Rossar Ivreitout qui va s'imposer devant le numéro 2, Oné Vreitout. La troisième place pour l'As Obama. Effectivement, un jumelé Vreitout avec Rossar Ivreitout qui s'impose et qui double la mise ici, qui remporte une deuxième victoire plutôt. Deuxième place pour le numéro 2, Oné Vreitout qui devra encore attendre pour ouvrir son palmarès, mais c'est la note de l'épreuve. Troisième place pour l'As Obama.